Merci pour cette invitation. Et donc, je vais essayer, comme l'a fait Rachida, de présenter la situation en Tunisie. En guise d'introduction, je ne fais que rappeler que la bactérie est strictement humaine, capsulée. Vous m'écoutez, hein? C'est bon, vous m'entendez? Ça va? OK. C'est une bactérie fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur et la transmission interhumaine, essentiellement respiratoire. Les infections invasives à méningocoque sont responsables essentiellement de méningite, mais aussi de mycoxémie aiguë, essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans et l'adulte, l'adolescent, l'adulte jeune. Le purpura fulminans est rare, mais grave, et il est grevé toujours, malgré l'évolution de la réanimation, d'une mortalité élevée. L'évolution est sporadique avec des épidémies périodiques et la disponibilité d'un vaccin contre méningocoque B doit nous faire réfléchir sur sa place dans le calendrier vaccinal, dans les calendriers vaccinaux nationaux. En Tunisie, la méningite à méningocoque, comme les autres méningites, sont une maladie à déclaration obligatoire par le formulaire des maladies à déclaration obligatoire, mais malheureusement, on assiste toujours à une sous-déclaration. Il n'y a pas de réseau national institutionnalisé, mais il y a eu des réseaux nationaux intermittents, surtout à l'occasion de l'introduction, des demandes d'introduction du vaccin contre l'hémophilus influenzae B et contre le méningocoque. Donc, dans la préparation pour convaincre les autorités de l'introduction de ces vaccins, il y a eu à ce moment-là, pendant 2 ou 3 ans, des surveillances qui n'ont malheureusement pas continué. Donc, ce dont on dispose, ce sont des données parcellaires. Émanant d'enquêtes multicentriques, d'études dans les services de pédiatrie, de maladies infectieuses, mais surtout dans les services de microbiologie. En dehors du cas confirmé, puisqu'il y a plusieurs cas qui ne sont pas confirmés, le diagnostic clinique de la méningite ou de la septicémie doit être associé à au moins l'un des éléments suivants pour déclarer un méningocoque: éruption purpurique, diplocoque gram négatif identifié à partir d'un site normalement stérile ou d'une lésion purpurique, ou détection de l'antigène du méningocoque à partir d'un site normalement stérile ou d'une lésion purpurique. Le cas confirmé est bien sûr identifié par la culture ou par la PCR qui est disponible dans certains laboratoires à partir de 2017. La dernière épidémie que nous avons vécue en Tunisie remonte à 1982-1983. Cette épidémie a touché plusieurs régions de la Tunisie et les cas déclarés, avec une sous-estimation quand même, étaient de 400 cas, dont 30 cas de purpura fulminans. Dans le service que je dirigeais à ce moment-là, nous avons colligé, soit à Madia, nous avons colligé en l'espace du 1er mars 82 au 28 février 84, 87 enfants de 3 mois à 15 mois. 60% atteints de méningite, 60% étaient dus au méningocoque, avec 98% de sérotype B lorsqu'il a été typé. La mortalité était de 18%. 9 enfants sont décédés, dont 7 purpura fulminans. Depuis, le méningocoque sévit de façon sporadique à prédominance hivernale et estivale. Voilà quelques données, comme je vous ai dit, parcellaire de certains services et de certaines enquêtes. À l'occasion de l'enquête que nous avons menée en 2000, sur une durée de 14 mois, a été prospective pour estimer l'épidémiologie des méningites à Hémophilus en Tunisie à ce moment-là pour faire entrer ce vaccin dans le calendrier vaccinal, puisqu'il est entré pratiquement en 2010-2011. Nous avons colligé 80 cas de méningite bactérienne, la prédominance des cas chez l'enfant de moins d'un an pour l'hémophilus et le méningocoque constituait à ce moment-là, à l'occasion de cette enquête, 7% des cas. Ici, c'est un travail qui est fait entre 1990 sur une série d'enfants et d'adultes de 253 LCR, dont 191 correspondaient à des méningites communautaires. Les espèces les plus fréquentes, comme vous le voyez ici, était le streptocoque pneumonie en premier lieu, puis l'hémophilus, puis les BG-moi, et enfin, nous avons le Neisseria meningitis qui constituait, dans cette série 99-2006, 6,3% des cas.
Chez le nourrisson et le petit enfant, dans la même enquête, 3 mois à 5 ans, l'hémophilus était en premier lieu, le streptocoque pneumonie en deuxième lieu, puis 3,8. Ça, c'est une enquête aussi que nous avons, que j'ai personnellement coordonnée entre 2008, 2009 et 2010 dans 16 services de pédiatrie où on a colligé 238 méningites bactériennes. C'était toujours avant l'introduction des vaccins anti-hémophilus et anti-pneumocoque, mais à ce moment-là, on avait la possibilité en pratique de ville de vacciner contre l'hémophilus. Donc, comme vous le voyez, pratiquement la moitié était des méningites à pneumocoque et 19% à méningocoque et 23% à hémophilus. On avait conclu à peu près 15 méningites dans ces services-là à méningocoque par an, dans ces 16 services de pédiatrie qui constituaient pour la majorité de services universitaires. On voit que la répartition par âge fait que nous avons le méningocoque en bleu. Il existe à tous les âges avec une prédominance au-delà de 3 ans. 0% de séquelles, mais 7,5% de mortalité en comparaison avec les autres germes responsables de méningite. Ça, c'est une série qui a été colligée, regroupée par le service de microbiologie de l'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis entre 2003 et 2018. Où 429 cas ont été colligés, dont 80 cas culture négative. Parmi les cas positifs, on voit que le méningocoque représente 31% des cultures positives. La répartition par âge montre que nous avons pratiquement 40% entre les enfants de moins d'un an et 1 à 4 ans, et puis le reste, c'est au-delà de 4 ans. Les enquêtes ou les résultats qui proviennent des déclarations obligatoires et qui émanent au service d'épidémiologie du ministère de la Santé publique nous donnent ces résultats-là. Alors, comme vous voyez, c'est en 2011 où le vaccin anti-hémophilus a été introduit dans le calendrier national. On voit qu'il y a une diminution qui commence à partir de 2013 pour le nombre de méningites et qui est progressive. J'ai la répartition à partir de 2017 pour le méningocoque où nous avons 24% des méningites déclarées en 2017, 36% des méningites déclarées en 2018, 18% des méningites déclarées en 2019, 27% des méningites en 2020 et 18% en 2021. Vous voyez qu'il y a une diminution du nombre de méningites à partir de 2019. En effet, le vaccin antipneumocoxique a été introduit dans le calendrier vaccinal en mars 2019. Si on voit l'évolution des germes responsables de méningite bactérienne chez l'enfant, toujours parmi les cas recrutés dans le laboratoire de microbiologie de l'hôpital d'enfants de Tunis, et je remercie Hannes Meir pour m'avoir donné ces résultats. Elle est actuellement le chef de service de microbiologie dans cet hôpital. Alors, vous voyez en rouge l'évolution du méningocoque qui sévit d'une manière à peu près la même au cours des années, sauf un pic en 2005, un creux en 2011. En vert, c'est le streptocoque pneumoniae qui est à peu près aussi une incidence régulière jusqu'à 2019. Nous avons les résultats ici et vous avez vu que l'introduction du vaccin s'est faite en mars 2019. J'ai ici des résultats jusqu'à octobre 2019 et on commence à noter une légère diminution de l'incidence de ce germe. Et vous voyez qu'en violet, en mauve, vous avez l'évolution de l'hémophilus. L'introduction du vaccin étant faite en 2011 et on voit que pratiquement, on voit quelques cas
jusqu'à 2019, où il n'y a pas eu de cas déclaré ou retrouvé de méningite à Haemophilus dans ce laboratoire. L'utilisation de la PCR a commencé en 2017. Alors, si on voit un peu ici la répartition selon les types, vous voyez que sur cette plaque, le méningocoque B occupe la première place avec 86,6%, puis le méningocoque C, puis A, puis Y, puis un cas de W dans cette série, colligée entre 1998 et 2016. Ici, c'est une série du laboratoire de bactériologie de Sfax, où sur des prélèvements faits soit par LCR, hémoculture ou autre, on retrouve pour le typage de méningocoque sur 20 pratiquement méningocoques colligés, le sérogroupe B représente 70% des cas. C'est une série entre 2000 et 2018. J'ai repris un peu ici aussi les données ramassées par toute la bibliographie colligée par les auteurs cités dans cet article-là, qui est paru dans l'International Journal of Infectious Diseases en 2021, et qui a permis de colliger un peu enfin, dans plusieurs pays, en particulier l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais aussi l'Égypte. Et voilà un peu les cas pour la Tunisie. Selon pratiquement toutes les séries colligées dans cet article, rapporte qu'il est aux alentours de 70 à 80%, donc il est le premier sérotype ou sérogroupe colligé, 80%, 85%, 80,4%, 73%. Et que c'est le phénotype NT-NST qui est le plus communément rapporté. Ici aussi, 83% dans cette série-là, avec toujours le phénotype NT-NST. Ce même article rapporte qu'il n'y a pas de réseau national de surveillance, bien que la déclaration des infections à méningocoque soit obligatoire. Le taux d'incidence et de mortalité sont estimés pour la méningite à méningocoque en 2017 à 6,48 pour 100 000 pour l'incidence de la maladie et 0,08 pour 100 000 pour l'incidence de la mortalité. Ici, c'est une étude aussi faite par l'hôpital d'enfants qui montre un peu que si entre 1998 et 2013, la sensibilité ou les méningocoques à sensibilité diminuée à la pénicillinité de 55%, là, c'est une étude qui a été faite entre 2017 et 2018 et qui montre que ce taux de diminution de la sensibilité du méningocoque a augmenté à 81%, aussi bien pour la pénicilline que pour la moxicilline. C'est une étude qui a été faite pour un sujet de thèse et en collaboration avec le laboratoire de microbiologie. Et cette étudiante s'est déplacée en France pour faire effectivement les études de phénotypage et de génotypage. Et vous voyez que ici, cette étude a essayé de montrer un peu le taux de couverture du vaccin pour le méningocoque B. Dans cette étude qui s'est intéressée au génotypage, la couverture a été estimée à 36,5%, alors que par une autre technique qui s'est intéressée essentiellement au phénotypage, 92,4% des isolats avaient un niveau d'expression supérieur au seuil ELISA, susceptible d'être sensible à des anticorps bactéricides induits par le vaccin. Les vaccins à méningocoque ne sont actuellement pas inclus dans le programme national tunisien. Le vaccin polyosidique ACWY est le seul vaccin antiméningocoque disponible dans le pays. La prophylaxie, je passe très rapidement puisque cela a été dit, est régie par une circulaire très ancienne depuis 1996 et repose sur la rifampicine ou l'aspiramycine. Et que quand il y a un méningocoque A ou C, situation rare en Tunisie, une vaccination est proposée conjointement à la chimiothérapie pour le sujet contact. La vaccination par ce vaccin est obligatoire pour les pèlerins et les prescrites aussi, comme l'a dit Rachida, en cas de déficit immunitaire, sphénectomie, donc chez les enfants qui ont un déficit immunitaire. Il n'y a pas de stratégie actuellement proposée par le comité technique de vaccination,
mais les données dont nous disposons nous incitent à évaluer avec plus de précision la situation pour prendre la décision adéquate, étant donné que ça ne constitue pas pour nous une priorité avant, jusqu'à l'introduction récente en 2019, le vaccin du pneumocoque contre le pneumocoque, et en 2020, la vaccination contre l'hépatite. Nous en sommes actuellement pour l'introduction du vaccin contre la coqueluche en guise de rappel à l'âge de 6 ans. Et je termine par cette étude, Méningostop Rachid m'a devancé effectivement pour en parler. Elle vous a donné les résultats de cette étude prospective qui a été réalisée pour insister sur l'intérêt de la PCR dans le diagnostic de ces méningites. Elle a utilisé le protocole de l'OMS et CDC américain. Et ce sont les résultats qu'a montré Rachida qui ont montré effectivement que dans cette série de liquides qui ont été, ou de liquides et de sang qui ont été colligés pour les infections invasives, nous avons 18% qui sont dus qui sont positifs, avec la répartition selon les pays, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Au total, nous avons 9% de méningocoque, 8% de streptocoque pneumoniae, 1% d'hémophilus. Et comme vous le voyez, pour les pays frères et amis, les chiffres pour le Maroc et l'Algérie. Le méningocoque B est le plus prédominant dans tous les pays, puisqu'il est un peu moins, quand même, la moitié en Algérie, 90% au Maroc et 65% en Tunisie, selon cette étude prospective, avec une moyenne de 74% pour les trois pays. Donc, parmi les 752 échantillons testés, 18% étaient positifs pour l'un des trois germes. Et le méningocoque était le plus fréquent dans tous les pays où ce travail a été réalisé. Donc, les méningocoques B représentent le groupe le plus fréquent et l'assurance qualité a été vérifiée dans ce travail. La conclusion de ce travail prospectif, Méningostop, conclut à ce que la PCR en temps réel peut aider à améliorer la surveillance épidémiologique. Les données confirment effectivement la prévalence du méningocoque B et ce projet ajoute un outil fiable pour améliorer la surveillance. En conclusion, depuis l'épidémie 82-83, le méningocoque sévit sous forme sporadique. Nous avons une diminution du nombre de méningites dans l'absolu depuis l'introduction du vaccin anti-hémophilus puis du pneumocoque. Le sérotype B continue à présenter le sérogroupe le plus fréquent selon les séries et selon les enquêtes, 70 à 87% des sérotypes en Tunisie. Les formes fulminantes sont encore grevées d'une lourde mortalité. Au moins, nous avons 40 méningites et méningocoxémies annuellement avec 3 décès en Tunisie. Et une évaluation plus rigoureuse de la situation épidémiologique permettrait de prendre la décision adéquate quant à la vaccination. Je vous remercie.